Salut, moi c'est Saintiche et je vais donner mon avis sur le programme de Sandra. Bon, pour commencer, je vais un peu récapituler mon histoire, mon aventure capillaire. Tout a commencé même quand. Si j'ai bonne mémoire, moi j'ai fait mon Big Shop en... J'étais en terminale. Donc j'ai fait mon Big Shop. Oui. Wow. Wow. J'ai fait mon Big Shop en décembre 2016. Oui, en décembre 2016, puisqu'en décembre 2019, ça faisait 3 ans que je suis passée au naturel. J'ai fait mon Big Shop en décembre 2016. Pourquoi est-ce que j'ai fait mon Big Shop? Parce que mes cheveux ne ressemblaient vraiment à rien. Donc, comme on dit là, zéro macabre. Mes cheveux ne ressemblaient à rien du tout. Ils étaient tellement secs, tellement cassants. Je n'arrivais à rien faire avec mes cheveux. Bon, mes cheveux ont perdu la texture parce que je faisais beaucoup de défrisage et ça a vraiment abîmé mes cheveux. C'est vrai, avant de passer au Big Shop, j'avais déjà arrêté le défrisage, mais jusque-là, je ne m'en sortais pas puisque je ne savais pas exactement comment est-ce que je dois prendre soin de mes cheveux, comment les manipuler et tout. Voilà. Maintenant, on peut continuer à parler de l'histoire. J'ai dû changer le décor puisque où j'étais d'abord, le soleil frappait sur ma face et l'image était un peu bizarre. Donc, revenons à nos moutons. Ce que je disais, c'est que bon, j'ai fait la connaissance de Sandra en 2016. Voilà, oui, en 2016, j'ai fait entre autres la connaissance de Sandra. Et là, déjà, elle avait une belle chevelure. Ses cheveux n'étaient pas si longs que maintenant, naturellement, puisque les cheveux poussent. Mais ses cheveux étaient brillants, doux. Et je voyais comment elle avait une légèreté à manipuler ses cheveux. Je me suis donc rapprochée d'elle. J'ai demandé ce qu'elle faisait pour avoir de si beaux cheveux, si c'est inné, si c'est génétique et tout. Elle m'a dit non, c'est possible aussi pour toi. Il faut juste bien prendre soin de tes cheveux. Moi, je fais ce soin-ci, ce soin-ci. Elle m'a vraiment tout raconté ce qu'elle faisait. Elle a pris le temps de regarder mes cheveux, analyser un peu ma texture. Et elle s'est aussi rendue compte que mes cheveux étaient déjà super abîmés, super secs, et que la seule chose qui restait vraiment à faire, c'est de les couper pour revenir sur une bonne base et commencer à prendre soin de ses cheveux. Quand j'ai entendu le mot couper les, j'ai dit non, pardon, mieux je laisse, je vais gérer mes cheveux comme ils sont là, ça va aller. Mieux je porte mes cheveux cassants comme ils sont là que de recouper et avoir des cheveux qui ont ce nombre de centimètres. Je n'étais pas prête psychologiquement à avoir de cheveux mini sur la tête. Donc, j'ai encore géré mes cheveux cassants pendant un an. Un an après, donc en 2016, j'ai encore rencontré Sandra. Quand j'ai encore vu Sandra, mon premier réflexe était on coupe, on coupe, on coupe. Donc, nous sommes allés acheter les ciseaux et elle m'a aidé à couper. Donc, c'est même elle qui a fait le big shop pour moi, quoi. J'étais prête psychologiquement et elle m'a accompagnée sur ce chemin-là. Donc, j'ai fait mon big shop en 2017 et de là, elle a commencé à me coacher. À me coacher, voilà. Elle a commencé à me coacher. On s'appelait, elle me donnait les conseils. Elle me disait comment prendre soin de mes cheveux et tout, et tout, et tout. Je vais aussi vous mettre quelques photos parce que souvent les photos disent plus que des mots. Donc, je vais mettre des photos en racontant mon histoire. Et je voyais vraiment une évolution. Je voyais comment mes cheveux brillaient plus. Mes cheveux devenaient vraiment noirs puisqu'ils étaient super hydratés et je gagnais aussi en longueur. Donc, elle m'a coachée pendant 1 an, oui, 1 an d'abord. Elle m'a coaché pendant 1 an. Bon, après, j'ai un peu laissé, à vrai dire. Elle m'a coaché pendant 1 an. Donc, la première année après mon Big Shop, elle m'a vraiment bien coaché et tout, et tout, et tout. Ça marchait super bien. Après 1 an, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je crois que dans ma tête, je croyais que je connaissais déjà assez. Je connaissais déjà assez. Ou bien aussi, je sais pas. Mais il y a aussi la paresse qui m'a pris. Je dois quand même un peu l'avouer. Il y a la paresse qui m'a un peu pris. Alors que ce n'est pas autant de travail que ça m'a pris et j'ai un peu lâché. Je passais mon temps à juste faire des pompons. Vous connaissez la coiffure classique de tous. Quand on ne sait pas quoi faire de ses cheveux, on fait juste ce pompon-là et on sort, on va qu'à nos occupations. Donc, je ne faisais que des pompons et tout, et tout, et tout. J'ai fait ça pendant 6 mois ou bien un peu plus. Et après ces 6 mois, donc quand j'étais déjà 1 an et demi après Big Shop, je me suis rendu compte que je ne gagnais plus en longueur. Je ne comprenais pas ce qui se passait et tout. Là, je me suis encore rapprochée de Sandra.
Et là, j'ai jugé aussi mieux de suivre son programme. C'est comme ça alors que j'ai acheté son programme qui s'appelle, je crois, Cheveux longs et souples à ta portée. Oui, je crois que c'est ce programme-là. J'ai pris ce programme-là alors, ça fait déjà, disons, un an, quelques mois. Et c'est ce programme que je suis jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, c'est ce programme qui a changé ma vie. Souvent, je suis là comme ça, je regarde mes cheveux. Donc, je regarde mes cheveux et je ne crois pas que ce sont mes cheveux. Je ne crois pas. Ou bien aussi, très souvent, quand je marche dans la rue, certains s'approchent de moi et me demandent c'est quelle mèche que tu mets et tout et tout. En fait, non seulement je ne crois pas que ce sont mes cheveux, et naturellement aussi, ça étonne d'autres personnes. Donc, ce programme a vraiment radicalement changé ma vie. Ce programme m'a aidé à apprendre à bien prendre soin de ses cheveux. Quand on dit souvent prendre soin de ses cheveux, beaucoup de gens croient qu'il s'agit des produits. Non, ça ne sert à rien. Par exemple, si vous demandez des conseils pour vos cheveux à quelqu'un et la personne vous dit, achète la gamme Kanto, achète la gamme Shea Moisturize, ou bien achète ci et ça. C'est pas le produit qui va vous donner de beaux cheveux comme les miens, si. Oui, mes cheveux sont beaux. C'est pas le produit qui va le faire, vous voyez. Le plus important, c'est savoir manipuler. La clé pour des beaux cheveux, c'est la manipulation. Parce que c'est en bien manipulant vos cheveux que vous allez retenir en longueur. Étant donné que le cheveu pousse toujours, il n'y a pas de cheveux qui ne poussent pas. Souvent, on ne remarque pas la pousse juste parce que le cheveu pousse et il se casse. Donc, c'est un peu ça. Grâce au programme, j'ai vraiment pu apprendre comment manipuler mes cheveux. Dans le programme, il y a plusieurs vidéos, je crois plus de 40 vidéos. Il y a en tout cas plusieurs vidéos qui vous montrent pas à pas comment bien prendre soin de vos cheveux. Mis à part les vidéos aussi, il y a certains écrits, donc c'est un mini e-book qu'elle met à notre disposition. Et en dehors du programme aussi, il y a un groupe Facebook où les membres qui ont pris le programme se rencontrent. Bon, les membres du programme sont dans ce groupe-là et on s'échange entre nous. Ça veut dire on partage nos expériences, nos fautes, nos réussites avec les autres et on s'encourage entre nous. Et Sandra est toujours là pour nous superviser, pour nous diriger, quoi, parce qu'on doit pas oublier que nous tous, nous sommes élèves et elle est le prof. Donc, elle est toujours là pour nous diriger. Et mis à part ça aussi, elle fait très régulièrement des vidéos live où on parle pendant lesquelles on parle de différents sujets, on peut poser nos questions, elle répond aux questions en live, ou bien, mis à part même le live, on peut aussi laisser des messages dans le groupe et elle répond. Et elle est vraiment là régulièrement, elle nous suit, elle nous suit, elle nous suit. Et ça fait vraiment beaucoup plaisir. Ce programme m'a ouvert les yeux sur mes propres cheveux. Avant, sans vous mentir, avant là, moi quand je voyais des femmes noires avec de beaux cheveux crépus, moi je disais juste que c'est génétique. Moi je n'ai pas eu la chance d'avoir ce type de cheveux et ça va quoi. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et pour moi c'était fini. Donc peu importe ce qu'on me disait, ça n'entrait pas dans ma tête. Je ne croyais pas que je pouvais moi aussi avoir de beaux cheveux dans ma vie. Mais oui, c'est possible. C'est vraiment possible. Alors, comme je disais, je suis le programme de Sandra déjà depuis un an et demi. Je crois que c'est même plus d'un an et demi, hein. Oui, c'est plus d'un an et demi puisque j'ai pris le programme en mi-2018. Et nous sommes actuellement en début 2020, donc un an et demi et poussière, quoi. Et ce programme a vraiment changé ma vie. Donc, j'ai commencé en mi-2018. J'ai suivi un an. Après un an, j'ai fait quelque chose que vous voyez actuellement sur ma tête. Vous imaginez déjà que ça, c'est pas ma couleur naturelle. Voilà. Donc, après un an, en mi-2019, alors, j'ai coloré mes cheveux. Voilà, j'ai décidé de changer de couleur parce que je voulais avoir une autre couleur. Et étant donné que le programme de Sandra m'avait permis d'apprendre à bien prendre soin de mes cheveux, même après avoir fait la décoloration, je n'ai pas remarqué un changement de texture. Mes cheveux sont toujours restés brillants, bien hydratants. Mes boucles ressortent toujours bien comme au début. Je vous montre un peu.
Là, vous voyez par exemple quelques boucles. Et vraiment, ma texture n'a pas du tout changé. J'ai toujours de beaux cheveux. Mais je dois aussi quand même mentionner que c'est aussi sûrement dû au fait que je suis toujours assez régulière dans mes soins. Moi, par exemple, chaque 10 à 12 jours, je fais mes soins. J'ai fait mes soins, par exemple, dimanche. Donc, ça fait 3 jours que j'ai fait mes soins. Et un jour après mes soins, j'ai détaché mes tresses et voici le résultat que ça a donné. Et c'est ce résultat que je porte depuis 3 jours. Donc, c'est déjà le troisième jour aujourd'hui que je porte cette coiffure-ci. Et comme vous pouvez constater, les boucles sont toujours présentes. Et grâce au programme de Sandra, aujourd'hui, c'est possible pour moi de porter mes boucles comme elles sont là, de porter mon afro libre pendant 10 à 12 jours sans problème, sans que je ne manque en hydratation, sans que mes cheveux soient rêches, donc bizarres, et aussi sans que mes cheveux perdent en brillance. Donc, je fais mes soins, après, je fais ma coiffure et je la porte 10 à 12 jours. C'est après 10 à 12 jours que je refais encore mes soins. Et c'est ce que j'apprécie vraiment sur ce programme. Ça vous donne la possibilité, en fait, d'apprendre à comprendre vos cheveux, d'apprendre à savoir ce dont vos cheveux ont besoin. De telle manière qu'en semaine, vous n'avez plus besoin d'ajouter ci ou ça. J'ai fait mes soins, comme je l'ai dit, et je vais porter ça pendant 10 jours. Et pendant ces 10 jours-là, je ne vais plus ajouter de produits. Ce n'est pas comme souvent certains disent, avant de dormir, il faut vaporiser de l'eau, il faut mettre la crème hydratante, il faut ci et ci. Non, non, non. Avant de dormir, je vais seulement faire quelques tresses, attacher mon foulard, aller dormir. Le lendemain, je détache mes tresses et hop, je sors. Et hop, je suis belle et hop, mes cheveux brillent. C'est ce que j'aime vraiment dans ce programme-là. Ça vous aide à avoir de très, très beaux cheveux. Voilà, je vais un peu arrêter parce que si ça ne dépend que de moi, je vais vous montrer mes cheveux comme ça jusqu'à dans 10 ans parce que je suis trop amoureuse de la texture de mes cheveux. J'aime trop mes cheveux. Je suis pratiquement amoureuse de mes cheveux. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup mes cheveux. J'ai tellement appris à aimer mes cheveux en voyant le résultat, en voyant ce qu'ils sont capables de devenir. Alors là, je n'ai que 3 ans de pousse puisque j'ai fait mon Big Shop en décembre 2016 et actuellement nous sommes en avril, bon presque en avril 2020, donc 3 ans, quelques mois de pousse. Et regardez où mes cheveux m'arrivent déjà. C'est vraiment terrible. Terrible du sens positif, hein? C'est vraiment terrible. Et aussi, vous voyez un peu, regardez, mes cheveux touchent déjà ici. Le cou, quoi. Donc, bientôt, ils vont commencer à descendre au niveau du dos. Et très bientôt, j'aurai aussi les cheveux longs comme Sandra. Très, très bientôt. C'est vrai, ça va encore prendre un peu de temps. Mais je suis quand même déjà fière de savoir que je suis sur le bon chemin. Et je crois que c'est le plus important. Attendez, je vous montre encore un peu ma longueur là devant. Alors là. Regardez comment ils sont longs. En juste 3 ans, vraiment juste 3 ans. Et je précise encore que pendant ces 3 ans-là, il y a eu 6 mois où j'ai fait de la maltraitance capillaire. J'ai vraiment trop négligé mes cheveux. Donc souvent, j'aime même bien dire 2 ans et demi, mais c'est 3 ans. 3 ans depuis que j'ai fait mon Big Shop et voici le résultat. Et que vous dire? Je ne peux rien dire d'autre. Je suis satisfaite. Et je dis encore une fois de plus, merci à Sandra. Merci beaucoup à Sandra. Merci à toi, Sandra. Toi-même, tu sais déjà. Je veux que tu te dis merci parce que tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé mes cheveux. Tu as sauvé ma vie, mais tu as aussi sauvé la vie de mes futurs enfants. Si j'ai des filles dans l'avenir, je saurai comment prendre soin de leurs cheveux. Je vais leur oui, je vais leur donner cet héritage-là et elles vont aussi pouvoir donner cet héritage à leurs filles, ainsi de suite. Donc, ma génération de filles aura
sera sauvée, parlant de cheveux, quoi. Elles auront mes filles et mes arrière-petites filles qui vont venir et tout, auront de beaux cheveux. Et c'est parce que j'ai vraiment eu la chance de te connaître et de connaître ton programme, et j'ai vraiment pu apprendre à prendre soin de mes cheveux. Donc, les filles, si vous aviez encore des doutes, si vous ne saviez pas si vous deviez prendre le programme de Sandra ou pas, ce que je peux vous dire, foncez, allez-y, prenez ce programme. Ce programme va vraiment vous changer la vie et ça va vous apprendre à bien prendre soin de vos cheveux, à bien manipuler vos cheveux. Et d'ici peu, vous aurez aussi des résultats comme le mien, si. Alors, voilà. Je crois que j'ai vraiment dit le plus important. Et voilà. On se retrouve alors très bientôt, sûrement dans le groupe Facebook de Sandra, et là on va se donner des conseils entre nous, on va échanger et on va s'encourager mutuellement. Donc, bye, et on se retrouve dans le groupe. Bye!